Ah, je sais pas, est-ce que je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Ah, je sais pas, putain. Ouais, est-ce que je le fais ou pas? Allez, go. Allez, go, mon pote. On n'a qu'une vie. 6, 6, 6. Wow. Salut tout le monde et bienvenue à la cave du Mills. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la case de trop, on va parler d'un comics que je viens de découvrir. Et quel claque. Et il s'agit de Batman année 1. C'est parti mon pote. Cet arc est sorti en 86-87, et moi je découvre que maintenant, mon pote. Comment c'est possible? Comment ce petit poisson a pu passer les filets du pêcheur Mills? C'est ça la question, mon pote. Donc j'aimerais bien savoir. En gros, à cette époque, DC trouvait que leur héros maison commençait à être un peu vieillissant, un peu dépassé, un peu beauf. Ah, elle est magnifique cette petite perruche, mon pote. Oh, salut les gens! Ça boum! Du coup, ils décident de remettre au goût du jour leurs héros phares, hein, comme Wonder Woman, Superman et Batman. Avec un petit peu plus de mal pour Batman. Mais ils y arrivent grâce à une équipe de choc, mon pote. Oh ouais! Et bordel, mais toutes ces années à passer devant sans même l'ouvrir, comment c'est possible? D'abord, je dois bien avouer que la réédition au Black Label à 16€ m'a fait de l'œil. Ensuite, c'est scénarisé par le géantissime et le génialissime Frank Miller, à qui on doit entre autres Sin City ou Ronin ou encore The Dark Knight Returns. Et c'est dessiné par David Mazzucchelli, à qui on doit, à ma connaissance, pas mal de Daredevil et de Batman. Donc j'ai repris ma vie en main, mon pote, et j'ai lu la quatrième de couverture. Enfant, Bruce Wayne a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Après un entraînement intensif, il revient à Gotham City pour mener une guerre sans merci contre le crime. Mais sa tâche ne sera pas aisée. Face à la corruption des autorités de la ville et leur lien avec la pègre, Bruce, sous le déguisement du vigilant Batman, va forger une alliance avec un policier nouveau venu à Gotham, le lieutenant James Gordon. Bon, c'est pas de la folie, hein, c'est même plutôt classique. Et je me suis accroché, mon pote. Et heureusement pour nous, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors je vais te dire ce que j'en pense. Les moins, mon pote. Bon, dans l'ensemble, les couleurs, c'était pas ça, les gars. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce jaune. non, mais c'est du viol oculaire. Page 192, deuxième paragraphe, alinéa 4, mon pote. C'est un viol de rétine de 4ème classe, ça. C'est puni par la loi, ok? Alors riole pas avec ça. Bon, le dessin, moi, personnellement, je trouve que c'est pas ça non plus. Mais bon, je respecte. Je trouve que Gotham n'est pas assez bien représenté, du moins pas assez en profondeur. Hein. J'aurais aimé connaître le Gotham de Frank Miller dans ce comics. La présence de Catwoman est très dispensable, hein. Elle n'apporte pas grand chose. Elle apporte un petit peu de piquant, mais ne sert à rien dans l'histoire. Ah, c'est comme les moustiques, ça, mon pote. Et puis enfin, je suis peut-être un petit peu abruti par le soleil texan. L'histoire se déroule en un an, ok? C'est le concept. Mais ça sert à quoi de le stipuler autant? En fait, je comprends pas le truc. Ça sert pas d'histoire. Je veux dire, y a pas de deadline, donc y a pas trop d'intérêt en fait. Moi, je trouve que le principe est un peu pété. Le plus, mon pote. Déjà, c'est clairement un comics sur le personnage de Gordon parsemé de Batman. Et je veux dire que ça fait du bien, parce que Batou, on le connaît bien, et Gordon un peu moins quand même. Juste avant, je disais que le dessin c'était pas ma came, et c'est ce que je pense. En revanche, la mise en scène est d'une intelligence folle. Hein. En deux ou trois cases, tu comprends tout. Et ça, c'est très fort. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, je vous l'accorde, mais Frank Miller, mais qu'est-ce qu'il est bon, mon pote. Waouh. Non, mais vraiment. Pas étonnant que les mecs soient un monument. Hein. La puissance et la structure de son histoire est remarquable. Tout s'imbrique parfaitement, était constamment saisi par le texte sombre et sincère qu'il propose. Il n'y a que lui qui peut proposer ce genre d'ambiance, mon pote. Quoique... Ville de merde, Gotham City. Vas-y. Faut qu'on en parle à Harvey Dent. Ils avaient plus de café, je suis désolé. Ah, putain, il me reste plus de 2 balles. Qu'est-ce que tu foutais avec ça? Excuse-moi, ça va, ça a été, là? Ouais. Il monte le bout de son nez, le petit, là? Non? Tu m'étonnes, avec la caisse qu'on a, il a dû nous repérer à 10 bornes. Ça se voit comme le nez au milieu du visage. Tu sais, j'y pensais tout à l'heure, là, mais... J'envie pas les habitants de ce quartier. Et qu'à voir la noirceur de ses dalles qui doit supporter des monticules de béton sans âme et sans vie. Cromoque même pour tout l'or du monde, mec. Jamais je poserai mes valises ici. Jamais. Oh, bordel, ça me fait froid dans le dos, ça. Allez, on rentre. Y'a rien à faire, ici. Ah oui, au fait, Roger. Oui? Joyeux Noël. Merci, chef. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la relation qu'il y a entre Gordon et sa femme, qui est dure et malsaine. Non mais t'as envie de lui mettre des claques à Gordon. Tout le côté politico-mafieux fonctionne très bien, hein. Même s'ils vont dans les détails, on reste quand même accroché au fil de l'histoire. Vraiment. Et enfin, j'ai adoré être dans les pensées de Batman et de Gordon, car une bonne partie de l'écriture dans ce comics concerne les pensées. Et quoi de plus franc et de plus intime qu'une introspection? Pour conclure, c'est un grand oui, mon pote, il fait clairement partie des indispensables. Donc si tu aimes Batman ou que tu veux le découvrir, fonce. Parce que tous les ingrédients sont là.
Un scénario maîtrisé et en marge de ce qui se fait ou de ce qui s'est fait, des rebondissements, du suspense et un final qui te laissera bouche bée. Ajoute à cela une noirceur d'écriture inégalable, une mise en scène incroyable et la sensation réelle de participer à la création d'un duo mythique. Et c'est gagné. En revanche, le dessin et la couleur peuvent en rebuter certains. Et très franchement, je ne leur lance pas la pierre. Mais faites-vous violence, parce que oui, je ne le répéterai jamais assez. Oui, Batman, année 1, est clairement une... Bravo mon pote! Bravo mon pote! Le coup de la bombe nucléaire, waouh! C'est innovant, hein? Personne n'a jamais fait ça. Hein. Tu deviens lourd, mec! Non, fais gaffe! Reprends-toi! C'est pas parce que je suis ton jumeau maléfique que je peux pas te faire de mal. Tu me dégoûtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci beaucoup pour le soutien! Ça fait plaisir, ça. On est vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce Batman ou si vous allez le lire. Et si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh, je réponds à toutes les questions, mon père. Retrouvez-moi sur Twitter, Twitch et Discord en tapant la cave du Mills. Je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.